Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4 en guerre contre l'Espagne pour, je pense, la dernière fois. On va essayer de faire le ménage en Afrique, là. Finir cette région et peut-être prendre quelques territoires en Europe, histoire de contrôler le nœud de Séville un peu plus, mais je pense que ça fera pas partie de mes objectifs numéro 1. De toute façon, on a déjà Cordoba, donc Cordoue. Ce qu'il nous faut, c'est Ifni. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Malheureusement, là, on va être un peu dépendant de la France. On va voir ce qu'elle va faire. Alors, j'irais bien attaquer les pontificaux, mais ils sont aidés par beaucoup de monde quand même. Ça peut être un peu problématique. On va devoir dépenser un peu de science. Un peu de points, pardon. Ça va très vite. Ça monte très vite encore. Ok. Ah, là, je peux. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. Surtout qu'on a une doctrine... on a quand même une doctrine diplomatique à faire. Il ne prend pas si longtemps que ça. Donc faut peut-être que j'économise les points diplomatiques, là. Tiens, il a signé la paix. Donc il faut qu'on prenne... il faut qu'on reprenne les forts, malheureusement. Alors, là, on va prendre un niveau 2. Là, on va prendre l'autre niveau 2, je crois. Ouais, c'est ça. Là, on va prendre le général restant. Et là, on peut faire quelques sièges. Ça n'a pas grand intérêt. Ouais, on va la laisser se propager, on s'en fout pour l'instant. J'ai besoin de points, moi. Là, il n'y a plus de révolte, en fait. Ouh, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas très important. Bon, la révolte a été matée, je pense, par la République des Nations qui passait par là. Donc, ils ont plus besoin de moi. Ah, par contre, celle-là, je crois que personne ne va la mater, donc on va y aller. Là-bas, je vais essayer d'amener des navires parce que sinon, ça va être long. Ouais. Là maintenant, je suis un peu pressé d'en finir. De toute façon, il n'y avait pas grand monde. Ah, attends. Ouais, ils n'avaient pas d'alliés. À part les Cados, c'est une nation indienne, je pense. On peut pas dire qu'ils aient beaucoup d'alliés. Rater le siège. Pour plus d'efficacité, je pourrais me diviser, mais j'ai un peu la flemme, j'avoue. J'ai qu'une envie, c'est que cette guerre se finisse. Alors, on va payer parce que... Larry, on s'en fout, on paye pas, j'en ai marre. Il y a un moment, je vais craquer, je vais payer. Quand j'aurai eu l'événement 10 fois, je serai bien obligé de payer, mais... Honnêtement... Ça donne pas envie, honnêtement. Ah, ils sont saoulants. C'est pas chez moi. On va les aider, ils sont un peu nombreux. Je pense qu'il s'en sortirait pas sans moi. Ok, là c'est bon. Donc malheureusement, on va être en trêve avec les Ottomans. Je ferais bien une guerre contre la Russie. Faudra que j'embarque la République des Deux Nations avec moi.
Ça devrait le faire. Va pas falloir traîner. Dès qu'on aura signé la paix, faudra y aller parce que je suis sûr que la République des Deux Nations va nous embarquer dans une guerre. Je serai prêt à mettre ma main au feu. Donc faudra pas traîner. Je commence à en avoir marre. Ah, c'est bon. Je pense que là on peut signer en fait. Il n'y a même pas besoin de prendre les provinces. Ça. Voilà. Donc ça déjà c'est une bonne base de discussion. On va prendre les réparations de guerre. On va prendre plutôt des territoires que de l'argent brut comme ça. Voilà, on va prendre ça. On pourrait prendre plus. J'ai pas envie d'accumuler trop d'expansion agressive non plus. Accès militaire, on s'en fout. Mettre fin à la rivalité, je pense qu'on s'en fout aussi. Je voudrais bien des petites îles là. Je vais les donner. Je vais essayer de les donner à la Sicile. Ouais, ceci dit, je pourrais donner à la Sicile toutes les petites îles. Ça, je pense pas que la Sicile l'acceptera. Elle acceptait pas les terres qui étaient là déjà. Ok, on va s'arrêter là. Oh, c'est chiant. On pourrait prendre beaucoup plus, honnêtement. Oui. On pourrait ramasser la moitié de l'Espagne. Non, on va s'arrêter là. Ok. Et je vais essayer de donner donc les Baléares Malte. J'espère que cette fois ils vont accepter. Malte, ils acceptent. Accorder une province, les Baléares. Alors, ils vont pas me dire que les Baléares c'est trop loin quoi, je comprends pas. C'est tout près, sérieux. Bon bah j'ai encore pris une province que je peux pas donner. Tant pis, on va la légitimer. Ça va me coûter bien cher, mais... Ok. Bon, bah, je suis un peu déçu. Ça, on s'occupera de le prendre un peu plus tard. Ça fait pas propre, donc on essaiera vraiment de le prendre. Je pense que j'ai toujours pas beaucoup de surexpansion. C'est bon. Alors, qu'est-ce que ça donne, là, si j'attaque? 40 jours, faut que j'attende. Oh, c'est pas bon, ça. Je sens que ça va pas le faire. Pour l'instant, ça va. Ouh, c'est bon. Alors, il y aurait bel et bien l'Autriche contre nous. Mais honnêtement, ça me fait pas peur. Ça va être une guerre compliquée, hein, ça c'est clair. Ils sont en paix, eux. Ouais. Ils ont combien de troupes actuellement? Ah, ils en ont 220 000, ils sont bien en réserve. La Russie, elle est pas bien en réserve. L'Autriche, elle compte même pas. Hein. L'Autriche a pas progressé. Je sais pas où elle est, elle est peut-être pas aussi bas que ça. Elle est là avec 120 000, moitié moins, pas de réserve. Allez, c'est parti. On va faire la guerre. Déclarer la guerre, conquête tribale. C'est parti. On va faire comme la dernière fois. On va bouger par 3. Sauf que la dernière fois on était 3 x 30. Là on est 3 x 40. Ceci dit, la dernière fois on était peut-être 4 x 30. Je me rappelle plus, je dois dire. Ah merde, j'ai pris plein de territoires catholiques. Faut que j'arrête de prendre des territoires catholiques. Là ça va pas du tout. Parce qu'après, il faut les convertir. Bon. Alors. Bon, normalement, on convertit quand même. On convertit très très vite. Hein.
Donc là, normalement, la décision, je devrais quasiment l'avoir. Il devrait me manquer plus qu'une condition. Toutes les provinces possédées appartiennent à la famille religieuse musulmane. Voilà. C'est pas compliqué. C'est clair, en tout cas. J'ai ma puissance des missionnaires. Je suis à 100. Je peux pas aller plus vite là. Je crois que je peux pas aller plus vite. Je dis peut-être des bêtises. Je crois, j'ai pas vu, je crois, de puissance des missionnaires ici. Non, je crois pas. On va abandonner la mission. Je pourrais avoir la mission de convertir une province, ce qui me donnerait un plus 1 en puissance des missionnaires. Ce qui pourrait être intéressant. Ça pourrait accélérer les choses un peu. Alors, est-ce que j'ai des nouvelles décisions à prendre? J'ai rien, c'est une catastrophe. La discipline, peut-être? Ça, faut que j'arrête. Ah oui, ça, faut que j'arrête, ça, sérieux. Ça, je peux l'arrêter aussi, je pense. On pourrait prendre la discipline. Coup de construction, c'est pas mal aussi, ça. Bon, la discipline. Tout simplement parce que ça devrait me mettre au-dessus de 125. Ouais. On va faire quelques points en plus, hein. On a quasiment fini, mais enfin bon, pourquoi pas. Là, c'est presque bon. Là, on va dépenser quelques... Ouais, j'ai dit que j'allais faire le commerce surtout. Et là, j'ai de quoi faire. Je sais pas combien de bâtiments j'ai à construire. Je pense que c'est assez énorme. Je touche plus grand-chose en réparation de guerre. Donc là, les troupes sont en route. Celles-là, elles sont en route. Là, on va bientôt se positionner. J'attends que tout le monde soit là. Ok, c'est parti. Je vais essayer de voir si je peux pas obtenir mieux. Non, raté. Du coup, c'est pas exceptionnel. Je pense que beaucoup des Russes sont en Corée, donc on va les voir. Oh, ça, c'est chiant ce zoo. On va les voir arriver par ici. C'est pour ça que j'aimerais bien ramener peut-être un peu plus de troupes. Qu'est-ce qu'ils font eux là? Normalement, ils devraient être sur Alexandrie. Je crois que je me suis gouré quand je les ai mis. Ouais, bizarre. Ça, on va le ramener aussi. La Sicile, ça devrait bientôt être bon. On va améliorer nos relations. On va dépenser un peu de prestige. Et on devrait descendre sous les 50 d'ici très peu de temps. Alors, que fait la République des Deux Nations? Je pense qu'elle va s'attaquer plutôt. J'ai l'impression qu'elle a décidé de s'intéresser à l'Autriche, donc bah, c'est bien aussi. Bon, faut pas qu'elle laisse un grand trou dans sa défense là. Voilà, moins 92 et moins 85. Si ça, c'est pas difficile. Cette fois, faut qu'on prenne beaucoup de territoire aux Russes. C'est nous qui avons déclenché la guerre. Donc, faut pas que je les loupe. J'ai l'impression qu'on va pas voir grand monde. Ce que je pourrais faire, c'est envoyer mes 10 d'artillerie à chaque fois. 20 d'artillerie, ça fait quand même une grosse différence. 20 d'artillerie en plus, on va passer quasiment à plus 8, peut-être plus 7. Ah, ça, c'est pas mal. Je suis déjà à 100, mais bon. Tant pis, je vais prendre le prestige quand même. Ouais, ça fait une grosse différence quand même. On passe à plus 7. Évidemment, c'est un peu plus dangereux pour nos troupes.
Là, on va avancer, mais faut que je sois prudent. En attendant les renforts, on va peut-être ramener une troisième armée là-bas. Celle-là, elle peut aller là faire quelques sièges assez simples. Oh, ça, on s'en fout. Alors, fabriquer une revendication. Je crois que je vais intégrer tous mes vassaux en fait. Je réfléchissais à ça. Je préfère le faire plus tôt. Ça, je vais laisser. Ça, je vais arrêter. Faut juste que je m'assure que tout le monde m'aime. Celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est presque bon. Parfait. On va quand même améliorer une relation. Bon, pour l'instant, je regarde pas l'Autriche, mais j'espère qu'ils s'en sortent. Oh, il se passe rien. Je sais même pas où sont leurs armées. Ah, finalement, ils sont repartis sur la Russie. Bon. Change d'avis comme de chemise, ces gens. Ça. Ça fait beaucoup. Oh putain, ça fait beaucoup aussi. On va essayer de fuir. Et il faut qu'on se réunisse. C'est des grandes étendues, en plus il va falloir faire gaffe. Du coup, il faut vraiment qu'on se réunisse. Il faut qu'on soit au moins 100 000. Là, j'ai toujours pas réussi le siège. Raté. Merde, ils m'ont encore pris de vitesse. Alors, on va être prêt là. Ils vont par où? Ils vont par là, c'est parfait. Et par contre, ils vont où? Ils vont sur Chegendik, ce qui est plutôt pas mal. On va attendre qu'ils puissent plus faire demi-tour. Ouais, c'est parti. Et eux aussi, ils vont y aller. Là, on va ramener des troupes, tant pis. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était la... réduire notre surexpansion. Bon, c'est pas ça qui m'intéressait, mais je vois rien d'autre d'intéressant. Moi, ce qui m'aurait plu, il a changé de direction, là. Non, c'est bon. Le 30 juillet, c'est bon, on va l'avoir. Alors... Kazan. On est encore dans les territoires de la Horde. Et là, ça lui a bien fait dans les dents. Et là, du coup, il fait demi-tour. Alors, je sais pas où il va aller comme ça. Ça donne pas trop envie de lui courir après, honnêtement. Il va là. Et on va quand même y aller, parce que sinon, s'il peut faire n'importe quoi chez nous, il va pas se gêner pour prendre plein de territoires. Alors là, on va tous se déplacer. Tougourt, je suis sûr d'avoir laissé des troupes. Ouais, c'est bon. Ah, qu'est-ce qu'il fout, là? Ils sont en exil, en plus. Ah, il aime bien faire ça, diviser ses petites troupes quand il est en exil. Je sais pas à quoi ça lui sert. Il a quand même 32 000 hommes, là, qui sont un peu perdus. Au milieu de nulle part. Ouh, ça c'est fort. Ah ouais, mais je crois que je vais quand même prendre le mercantilisme. J'avoue. Alors là, on est à 28, sauf que je vais pas laisser autant de monde dessus. Je vais enlever cette armée. Non, je sais pas où elle est. C'est celle-là. Non, c'est celle-là. Ouais. On va laisser l'artillerie.
Voilà, c'est celle-là aussi qu'il faut enlever. Moins 100 du cas, ouais. Ça, on s'en fout, pour l'instant. Ah, ils sont chiants. Alors là, ça donne quoi? Ils continuent à se balader. Je suis tenté de dire qu'il est plus rapide que moi. Donc tant qu'on n'aura pas fait de la marche forcée, il se passera rien. Là, c'est pareil, je sais pas quoi faire, mais... L'attrition de folie que je dois avoir, mais... Ouais, je perds quasiment toutes mes troupes par l'attrition. J'ai bien envie d'attaquer ceux-là. Bashkir, il va par là. Bashkiri, c'est ça? Non, Bashkir, il va par là. Ok, ça c'est fait. Ah, là on va avoir un peu moins d'attrition, on est un petit peu en décalé. Alors ça donne quoi là, l'Autriche? Je vais aller voir. Ça donne rien de bon. Pas grand chose, hein. C'est pas comme ça qu'on va aller vers une paix séparée. C'est un peu dommage. Tiens, la Corée a assez de paix blanche. Ah, c'est pas top quand même de faire la paix blanche contre la Corée, j'avoue. C'est un poil décevant. Bon, je vais réunir ces deux armées là, les deux à 30 000. Celles-là vont rester ensemble. Ouh, 51 000, il va falloir un bon gros leader, là. Ça m'embête, hein. Il est parti faire ce qu'il veut. Je sens que ça va pas me plaire. Où est-ce qu'il va, là? Il se balade depuis tout à l'heure. C'est impressionnant le nombre de kilomètres qu'il a parcouru. Et du coup, il sert pas à grand-chose, j'avoue. Ah, il fait demi-tour. Ah, il y a un moment, il pourra plus fuir. Hein. Surtout que là, il a l'air de pas trop savoir ce qu'il fait, en fait. Il fait demi-tour ou pas, il... Alors, on va l'intercepter... ici. On va attendre qu'il puisse plus faire demi-tour. Ah, il s'est arrêté. C'est de la steppe, hein. On va y aller. On prend notre meilleur leader. Ça devrait bien se passer. Ah, qu'est-ce qu'il fout là-bas? Ah, j'en étais sûr. Ça, c'est l'autre qui se baladait tout seul tout à l'heure. Voilà ce qu'il fait maintenant. Il s'est arrêté quelque part et il va se répandre comme la peste. Ah, il est pas mal, là. On était à égalité de troupes. J'avais le désavantage du terrain, donc bon, ça a quand même bien fini pour nous, mais... Bon, on va se reposer et on repartira à la chasse. Eux, par contre, ils vont aller gérer ça. Bon, ça se passe tranquille pour l'instant. J'ai pas trop à me plaindre. À 64 000, c'est de pire en pire. Bon, je pense qu'on gérera. Tout à l'heure, ils étaient 50 000, on a géré, donc... Ah oui, mais je peux pas trop y aller en fait avec ce que j'ai envoyé là. Donc en fait ça va faire demi-tour. On va plutôt envoyer cette armée là. Enfin ces armées là. Je voulais les reposer un peu pour qu'elles regagnent leurs effectifs, mais là il y a un peu urgence.
Allez, un petit effort. Ah merde, ça c'est les Timurides. Là, on va en chier. Alors, oui, on va prendre les trois sciences. Dont la science militaire. Toujours intéressante. On va prendre nos doctrines marchandes, commerciales, pardon. Et on va la commencer sans plus tarder. Alors, ça j'ai pas regardé, mais ça va faire mal. Il y en a partout. Je sais pas combien ils sont. Hein. On va calculer. Ils sont 100 000, 170, 230, 300, 340, 400, 460. Oh putain, 460. Ouais, 510, 610, 710. 810, 810 000, ah, plus que ça même, 860 000, quasiment 1 million, parce que j'en ai peut-être oublié aussi. Bon, bah on va s'amuser. J'avoue que c'est un peu n'importe quoi ces révoltes timourides quand le pays devient un poil trop gros. Ah, j'ai un 4 de siège là quand même. On va être obligé d'utiliser nos armées pour se faire les révoltes là parce qu'il y en a beaucoup trop. Sinon on va y laisser beaucoup de territoire. Il pourrait gagner même. Ce qui serait dommage. Ah bah j'ai pas pris l'humanisme au début. J'ai réussi à survivre, mais c'est vrai qu'on a été tout le let's play embêté par les révoltes, j'avoue. Malheureusement, c'est pas fini. Il nous attaque, il est sûr là? Oui, il était sûr. Bon, je sais pas pourquoi. Alors le problème, c'est que les révoltes, elles apparaissent pas en rouge. Ça, j'ai aucune idée pourquoi. C'est quand même pas... Oh merde, ils ont ma capitale. Alors ça, par contre, faut pas que je leur laisse ma capitale. Faudrait pas qu'ils arrivent à leur fin quand même. Ok, première révolte. Ah bah ça. Oh non, il y en a au Baléar. Non, Baléar, pourquoi? Ah non, c'était les. C'était les légitimisations peut-être? Ah, j'ai eu peur. Bon, ça, on va se les faire tout de suite. Ouh, je sens que ça va devenir pénible. Pourtant, on n'a plus de surexpansion là. En plus, j'ai perdu un général. Parce que je sais pas où c'est. Ok, ça par contre, on peut pas se le faire. Tant qu'on n'a pas réussi à retrouver un peu plus d'hommes. Ça, on va reprendre. On va être obligé de reprendre ça marquant. Comment on va faire notre affaire? On va laisser les troupes, je pense. On va laisser celui qui a le moins d'infanterie de dispo. Eh ben, j'ai pas fini encore. Ça, ils vont prendre des provinces. Hein. Ah, par contre, j'ai gagné Novgorod, ça c'est cool. Ok, j'espère que ça va pas m'obliger à écourter cette guerre. On est à 46 quand même, c'est pas mal. Je vais surtout arrêter la vidéo. Je vois qu'on est en train de réussir... Enfin, ils sont en train de réussir un siège, là. Raté. Je vais continuer à reprendre les territoires au fur et à mesure, là. Donc là, c'est gagné. Ok. On va aller combattre
les 71 000 ici. Je vais arrêter la vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.